Bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Toute cette semaine, nous aurons le plaisir d'être avec notre invitée Nadine, non pas Nadine Kabouya, mais Nadine Benoît. Bonjour Nadine, bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça va bien. Oui, alors certains d'entre vous vous dites « j'ai déjà vu Nadine sur EMCI ». En effet, et elle avait fait Hosanna il y a de ça quelques temps maintenant. Donc il y a un bel Hosanna avec Nadine qui va vous bénir. Mais cette semaine, elle est dans Parole de Femme. Peut-être qu'elle nous fera la grâce de chanter. Nous ne savons pas si Aurélie fait... Mais Nadine chantera. Chantera. Ça vaut mieux pour les téléspectateurs. Bon, mais d'accord. Comme ça, cette semaine, on ne va pas s'y perdre. On garde une Aurélie, on garde une Nadine, pas la même Nadine. En tout cas, on est très heureuse de te recevoir, Nadine, avec nous. On va passer une bonne semaine. Ouais. Et comme tu aimes le dire, tu aimes propager l'espoir. Yes. Et je crois que toute cette semaine, à travers les émissions, c'est ce que tu vas faire, propager l'espoir de Christ. Yes. À travers différents messages, différentes thématiques. Et pour te présenter rapidement, tu es maman de 4 enfants. Et oui, et oui. Tu es mariée à Jonas. Yes. Depuis 20 ans. Oui, depuis 20 ans. Je fais un sans faute pour l'instant. Bah oui, félicitations. D'ailleurs, je vous le dis, c'est un scoop. Jonas sera avec nous à la fin de la semaine. Il va venir faire la dernière émission avec nous. Alors ne manquez surtout pas ça, parce que les apparitions de Jonas sont rares. Donc on va en profiter. La fille qui vient de rencontrer Jonas. C'est mon ami depuis 20 ans. Et donc voilà, maman, nanana. Et tu es aussi à Gospel Vie, à l'église Gospel Vie à Montréal depuis 25 ans, oui. Où tu es responsable de la louange. Absolument. Et tu lis la louange depuis déjà plusieurs années. Et toi et ton mari êtes aussi dans le soutien du conseil pastoral ou le conseil du soutien pastoral, je ne sais pas dans quel ordre on le dit. Jusqu'à là, c'était très bien. Ouais. Attends, j'ai un dernier truc à dire qui va être super. Et vous aidez les couples en difficulté. Effectivement. Oui. Tu vois, c'est bien. Et on me dit bravo Annabelle, bravo pour cette présentation précise, longue et détaillée, sans faute. Merci à toi Nadine de venir encore une fois nous bénir sur le plateau de Parole de Femme. Merci à vous deux. Non, c'est un privilège, c'est un plaisir pour moi aussi. Ah, mais le plaisir est pour nous. Et aujourd'hui, nous allons parler des promesses de Dieu. Comment voir les promesses de Dieu s'accomplir? Parce que les promesses de Dieu, on en entend parler ici et là, à l'église, etc. Mais elles sont où dans ma vie? Comment est-ce que moi je les vis? Comment est-ce que je les reçois? Est-ce que les promesses de Dieu, c'est un mythe finalement? C'est comme un mirage, on me le promet tout le temps, mais je ne les vois jamais s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous allons voir les promesses de Dieu ce qu'il y a de plus certain dans cette vie, et elles sont amenées à se manifester dans votre vie, que ce soit des promesses d'enfants, des promesses de mariage, des promesses de guérison, des promesses de réussite et de succès. Toutes ces promesses sont appelées à se manifester dans votre vie. Amen. Et toi Nadine, j'aime beaucoup ton histoire. À 13 ans ou 14 ans, 13-14 ans, tu as rencontré le Seigneur. Oui. Et depuis... Et depuis, tu marches avec le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Je n'ai jamais arrêté de suivre le Seigneur. C'est trop beau. Écoute, moi, ce qui m'a vraiment approchée vers le Seigneur, c'est qu'il y avait une pièce de théâtre qui était à mon église. Puis la pièce de théâtre, ça fait loin, là, c'est dans les années 94-95. Ça trahit un peu mon âge. Mais bon... Nous, on calcule pas très vite, donc t'inquiète pas. Il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait « Les portes du ciel et les flammes de l'enfer ». C'est quelque chose. Hein? Et la pièce de théâtre était tellement épique, elle est venue vraiment m'interpeller. Et c'est là que j'acceptais le Seigneur. Alors, et c'était tellement drôle, c'est parce qu'il y avait 3 représentations. Puis à la première représentation, qui était vendredi, j'avançais à l'appel. La deuxième représentation, le samedi, j'ai avancé encore à l'appel. Et le dimanche après-midi, après, encore, j'ai avancé à l'appel et le pasteur est venu me voir. Puis le pasteur m'a dit, tu as déjà avancé vendredi, c'est correct. Tu es sauvée.
tu es appelé enfant de Dieu. Ah, OK. Moi, pour ma tête, tu sais, quand t'es nouveau croyant et tout ça, tu sais pas. Alors, sur le coup, je dis, bon, ben, regarde, je vais y aller plus. En fait, non, une seule fois, tu vis. Tu n'as pas fait ça, Aurélie? Si, je l'ai fait. Ah, bon, voilà. Ah, ben, sens pas trop mal. Bah, quelqu'un dit, tu veux accepter le Seigneur Jésus, qu'il soit le sauveur de ta vie, qu'il pardonne tes péchés. Bah oui, je le veux à chaque fois. Du coup, bah oui, je l'aime. Tout à fait. Ça me faisait tellement rire quand le pasteur me dit, non, non, je me sentais tellement mal, j'étais à la paix. Non, mais c'est déjà fait, mais il l'a fait avec joie, tu sais. Tu sais, avec vraiment compassion. Puis bon, j'ai compris qu'il ne fallait pas avancer à tous les appels pour le salut. Une fois, ça suffit. Et cela m'a vraiment beaucoup touchée. Et tout de suite, par la suite, moi, ce que j'ai fait, je dis, Seigneur, je vais prendre mes pains et je vais prendre mes poissons, puis je vais le mettre à ton service. Alors, tout de suite, à l'église, je dis, je vais essayer de m'impliquer dans quelque part. Puis je me suis impliquée dans le champ. Je n'apportais pas les chants. Pour ceux qui ont déjà entendu Hosanna, gloire à Dieu, mais je ne chantais pas comme ça à 13 ans. C'était pas comme ça. Mais je voulais donner mes pains et mes poissons pour au service de Dieu. Alors, j'ai commencé à être choriste, chanter dans la chorale. Et puis, par la suite, pour être la chorale, je suis devenue responsable de la chorale. Et puis, par la suite, j'ai fait mon cheminement jusqu'à ce que vous me voyez pour aujourd'hui. Mais là où est-ce que j'ai vu que les promesses de Dieu se sont accomplies, puis je veux vraiment, si ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui, c'est pour vous dire que dans cette période-là, comme moi, mon cœur était tout entier à Dieu, il y a un petit jeune homme qui est venu dans ma vie. Et puis, lui aussi, il aimait le Seigneur. Mais la seule chose, c'est que lui, il ne mettait pas le Seigneur dans la même priorité que moi. Quand j'acceptais le Seigneur, un verset que je pense que ceux qui me connaissent, ils savent que je répète toujours ce verset-là, c'est le psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors moi, c'était comme quelque chose que j'imprégnais en moi. « Seigneur, je te fais de toi mes délices et je sais que tout le reste va suivre. » Et dans cette relation-là... À 13 ans. Non, ce n'était pas 13 ans. Non, parce que là, 13 ans, c'était un petit peu jeune. Non, mais le verset... Non, mais oui, le verset. 13 ans, 14 ans, okay. Oui, tout de suite. Tu as saisi ce verset, oui. Et ça a été comme une ligne directrice pour ta vie. Jusqu'à aujourd'hui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mm. Parce que je comprenais dans le sens que, Seigneur, si je te mets en premier, puis je t'adore, je te loue, puis je m'aligne à ta volonté, même ce qui est dans mon cœur que je désire, mais toi, tu le sais déjà à l'avance. Alors, si cela est accordé à ta volonté, c'est certain que ça va aller. Si je vois que ça ne se produit pas, c'est parce que ce n'est pas de ta volonté, mais je te fais... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je veux m'accorder avec le Seigneur là-dessus. Et puis, quand il y a ce fameux jeune homme est venu dans ma vie, et puis, bon, écoute, ça allait bien et tout ça, mais à un moment donné, dans la relation, je voyais qu'on n'avait pas la même vision des choses par rapport à Dieu. Oui, il était chrétien, mais ce n'était pas la même chose. Et puis, j'ai fait ce choix. Et je vous dis, Annabelle et Aurélie, c'était pas évident parce que je devais choisir Dieu. Puis, j'étais en plus dans le ministère. J'étais déjà directrice de chorale et tout ça. Ou bien, ce jeune homme. Puis, sur le coup, tout le monde veut se faire aimer. T'sais? Tout le monde veut. Surtout les jeunes filles, tu dis, ben, tu penses au mariage et tout ça. Mais le verset me revenait. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, je ne voulais pas faire de compromis. Alors, je lui ai dit au garçon, je lui ai dit, « En fin de compte, je te laisse, non pas parce que je ne t'aime pas, c'est parce que je mets Dieu en premier et je réalise qu'on n'a pas les mêmes priorités. » Et lui-même, il me l'a dit, « Je ne suis pas prête encore à m'impliquer comme ça. » Puis moi, je voyais, « Non, je m'en vais là. » Et je l'ai laissé. Mais quand je l'ai laissé, oui, ça m'a fait une petite affaire, mais dans mon cœur, le verset me revenait, « Fais de l'Éternel. » J'ai dit, « Non, Seigneur, moi, je te fais de mes délices. » Moi, je t'adore. Moi, je te sers. Alors, s'il doit y avoir un homme qui va venir dans ma vie, ben, je sais que ça va être un qui va être accordé à ta volonté. Mm-hmm. Parce que toi, tu connais mes plans. Toi, tu connais mon plan de demain. Toi, tu connais mon futur. Moi, je ne le connais pas. Mais je m'attache, Seigneur Dieu, à toi. Et puis, bon, c'est là que mon petit mari, Jonas, que vous avez rencontré tout à l'heure... Sorti d'un poisson. Sorti d'un poisson. La blague, je sais. Je sais, mais t'inquiète pas, tu sais combien... Parce que quand tu vas le voir, là, tu vas voir, tout le monde lui dit de toutes les manières. Mais après, il dit toujours quand même, je suis quand même sorti du poisson. Et quand même, hein, Jonas a quand même été pêché à Ninive. Il a quand même obéi. Mais... Et c'est là que j'ai réalisé, quand j'ai appris à connaître mon mari vraiment un peu plus tard, puis c'est là que j'ai vu ces promesses-là de Dieu, elles s'accomplissent. Mais elles s'accomplissent uniquement quand tu fais de Dieu tes délices. Quand tu mets Dieu en premier, les choses par la suite vont arriver. Pas de compromis. Et quand je regarde notre cheminement de couple et de notre vie, je me dis, Seigneur,
une chance que je t'avais écouté, une chance que j'avais appliqué ta parole. Non, mais c'est vrai, une chose que j'avais appliqué ta parole et que j'ai fait de toi mes délices. Et je crois que c'est la meilleure chose en tant que femme que nous puissions faire, c'est mettre Dieu en premier en toute chose, même si ça fait peur, même si on a cette crainte-là. La parole de Dieu, elle est oui et amen, elle est vérité. Dieu ne change pas, il veut notre bien. Alors, c'est vraiment saisir ça par la foi que de lui faire confiance. Oui, ce que j'aime dans son témoignage, c'est qu'elle est là le recul. Et quelquefois, non, ça reste aux personnes qui n'ont pas ce recul-là, justement, qui sont dans la situation et il y a un choix à faire. Mm-hmm. Et là, parce que tu n'as pas le recul de 10 ans après, mais parfois, tu risques de prendre des mauvais choix. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment ce recul-là où tu sais, OK, j'avais ce choix à faire, je ne l'ai pas fait, j'ai fait le choix qui va selon le cœur de Dieu et voici où ça m'a mené. Oui. Et quand tu dis « Fais de l'Éternel tes délices », en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu choisis de faire de l'Éternel tes délices, les désirs dont tu parles, tes désirs, ça devient le désir de Dieu. Amen. Dans le sens que c'est maintenant Dieu qui met des désirs en toi. Yes. De fait, tes désirs vont correspondre à ceux de Dieu. Et c'est pour ça qu'à coup sûr, ça va fonctionner en fait. Quand Dieu n'est pas ton délice, tu auras tes désirs à toi, que tu penses être bien, et il y aura les désirs de Dieu. Mais quand tu dis « je choisis de faire de toi mes délices », quelque part, tu es en train de dire « ok, je choisis d'embrasser les désirs de Dieu pour ma propre vie ». Et là, on est en train de parler des promesses. Les promesses de Dieu deviennent tes promesses, en fait, parce que tu as choisi de le faire. Et moi, c'est vraiment une partie de ton histoire que j'aime vraiment beaucoup. Et on peut s'arrêter quand même sur le sujet particulièrement des relations du mariage en tant que célibataire. C'est une promesse que beaucoup de jeunes femmes attendent et espèrent. Et le témoignage de Nadine, c'est vraiment pour montrer que Dieu est fidèle et qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose. Quand on dit non au compromis, quand on dit non à des relations, on sait dans notre cœur, on le sait que ça ne fait pas partie du plan parfait de Dieu. On n'a pas la paix, parce que tout simplement, on voit bien dans la parole que ça ne colle absolument pas. Mais on essaye de se convaincre parce qu'on se dit, cette promesse, il faut qu'elle s'accomplisse d'une façon ou d'une autre. Et c'est un petit peu comme Abraham et Sarah, la promesse d'une multitude, la promesse d'un fils, mais il va falloir que ça s'accomplisse d'une façon ou d'une autre. Regarde, nous, ça ne va pas fonctionner, Abraham et Sarah, nous, c'est sûr que là, ce n'est pas le plan pour que la promesse s'accomplisse. Donc, on va prendre Agar, on va prendre la servante. Et pour la promesse, quelquefois, il y a plusieurs promesses dans notre vie, on fait venir une Agar, on fait venir un autre élément parce qu'on se dit, moi, à moi, tout seul, à cause de ma situation, la promesse ne va pas pouvoir s'accomplir. Mais comme la Bible nous en rend témoignage, Abraham a cru que celui qui avait fait la promesse avait aussi la puissance de pouvoir l'accomplir. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se rappeler, y compris pour le mariage, pour les célibataires. N'oubliez pas que Dieu est celui qui a la puissance de pouvoir accomplir la promesse qu'il vous a faite. Et ce n'est pas à vous de vous compromettre et de faire tout un tas de manigances, même quelquefois, pour pouvoir faire en sorte que cette promesse s'accomplisse. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines situations qu'on a dans la vie, on essaie de, comme on dit, aller dans les coins ronds pour pouvoir atteindre cette objectivité-là ou bien ce but-là en soi. Mais en fin de compte, c'est nous qui l'avons fabriqué. Alors peut-être quelqu'un de l'extérieur pour voir, oh mon Dieu, regarde comment Dieu l'a béni. Regarde. Mais en fin de compte, toi, tu le sais à l'intérieur de toi que c'est toi qui as tiré un peu plus la corde pour arriver à tes fins. Et de temps en temps, et plusieurs fois de temps en temps, c'est que là, on voit le résultat par la suite. Puis on voit qu'en fin de compte, Dieu n'était pas là-dedans. Mm-hmm. En fin de compte, c'est moi qui ai pris le devant. Ça paraissait spirituel, mais en fin de compte, c'est moi qui est allé au devant. Alors c'est vraiment être dans cette attente-là, De s'accrocher au Seigneur, que Seigneur Dieu, ta parole, elle est oui et amen. Ta parole, elle dit vraiment, fais de l'Éternel tes délices. Alors, je te fais mes délices, mais tu connais mon cœur, comme Aurélie, elle a dit. Alors, je laisse ça entre tes mains. Je m'abandonne à toi, Seigneur, dans cette situation-là. Tu connais mon cœur pour mes études. Tu connais mon cœur pour avoir peut-être un homme dans ma vie. Tu connais mon cœur pour un travail. Tu me connais mon cœur pour cet emploi. Tu connais mon cœur pour toutes sortes de choses, pour ma famille, mon couple. Il y en a plein. Mais Seigneur, je te fais de toi mes délices. Mm-hmm. Tu es mon délice. Mm-hmm. Alors, je reste focus sur toi.
Et je sais de toute façon que tu es au courant de tout ce que j'ai besoin. Et je sais que tu le feras en ton temps. Et en fin de compte, c'est ça. C'est, en fin de compte, c'est activer sa foi. Et non pas la fabriquer. Mm-hmm. Effectivement. Pas la dénaturer. Mm-hmm. Je sais pas si ça fait un peu du sens, c'est ce que je veux dire. Des fois, en tant que chrétien, on aime ça dénaturer les choses. Mais là, c'est ta passion de mettre ta foi en action. Mm-hmm. Seigneur, alors je crois. Et croire, ça ne veut pas dire que tu le vois. C'est vraiment, je ne le vois pas. Mais parce que tu le dis, mm-hmm. je crois. Mm-hmm. Et c'est là que la chose, elle arrive. Mm-hmm. Et c'est là que la promesse, elle s'accomplit. Comme tu viens juste de dire avec Abraham, là, c'était presque impossible. Oui, c'est sûr. Seigneur, pour Abraham, c'était impossible, mais ce n'était pas impossible pour Dieu. Amen. Alors, en passant par Agar, alors, on a eu Ismaël. Et voilà, on connaît toute l'histoire. Fait que c'est là, mais en premier, s'il aurait gardé le focus. Mm-hmm. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'on le voit de tout le long de la Genèse à l'Apocalypse, mm-hmm. des hommes et des femmes. Qui ont passé par là, et c'est un témoignage pour nous que même si toi qui nous regardes aujourd'hui, tu dis, oh là là, moi je ne fais vraiment pas de l'éternel mes délices. Non, Dieu est le Dieu de la première chance, de la deuxième chance, de la troisième chance, puis on le voit à travers la parole de Dieu. On appelle Abraham le père de la promesse. Regardez, là, il a quand même fait... Regardez, il a quand même été avec Agar, hein, on ne se mentira pas. Il n'a pas écouté totalement ce que Dieu lui a dit, mais il n'y a pas juste eu lui, il y a eu David. David, la même chose aussi. Il y a eu Jacob. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle est un témoignage pour nous en tant qu'enfants de Dieu pour dire, hey, regardez, il y a ces hommes et ces femmes qui ont passé par là, mais ils ont persévéré. Mm-hmm. Ils ont persévéré. Oui, ils sont tombés. Oui, ils ont failli. Mais après, ils se sont accrochés au Seigneur. Alors, s'il y a quelqu'un que ça peut encourager vraiment aujourd'hui, accroche-toi à Dieu. Amen. Il va te reprendre dans ses bras. Il va te rediriger. J'aime la parole de Dieu qui dit que « Et si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, alors dirige-moi. Mm-hmm. » Ben, c'est ça. Seigneur, je me suis trompée. Tu regardes en arrière, tu dis « Aïe, aïe, aïe. » Seigneur dit « Voilà. » Mais va tout simplement sur l'autre voie et continue ton chemin. Mm-hmm. Le Seigneur va te conduire. Amen. Et par rapport à ce que tu dis aussi, je veux encourager les personnes qui nous écoutent parce que quelquefois, on va lire la parole de façon générale comme ça. Je vais un peu revenir sur le verset « Fait de l'éternel tes délices ». On va lire la parole de façon générale et on va vouloir prendre des choses. Tout ce qui est dans la Bible, c'est très bien. Et les promesses de Dieu aussi pour nous, c'est très bien. Mais je veux encourager les personnes qui nous regardent dans le sens que la promesse doit exister pour toi. Pas juste parce que tu l'as lu, pas juste parce qu'elle est écrite, pas juste parce que c'est une bonne chose que tu veux bien que ça t'arrive, mais ça doit exister pour toi parce que ça doit découler de la relation réelle que tu as avec Dieu. Et ça, on le voit avec Abraham. Dieu, il dit à Abraham, quitte ton pays et tout, je vais faire de toi le père d'une multitude. Ça vient d'une relation. Ça ne vient pas juste d'une parole en l'air comme ça là, que Abraham a récupérée quelque part, parce que c'est une belle parole, c'est une parole de Dieu. Et puis, il dit, OK, Dieu l'a dit, du coup, je veux que ça m'arrive. Donc, j'encourage les personnes qui nous écoutent vraiment à faire un peu le ménage dans tout ce qu'on a entendu et même dans nos désirs. Mais tu ne peux pas vraiment le faire si tu ne choisis pas de faire de Dieu ton délice, en fait. Parce que faire de Dieu ton délice, c'est dire à Dieu, Seigneur, voici tous les désirs que moi j'ai, mais je choisis de les mettre de côté pour embrasser les tiens. Yes. Mais quand tu commences par là, OK, Dieu va te dire, OK, pour toi, mon enfant, je veux te donner, par exemple, cet enfant-là, cette année. Et quand il va te dire ça, tu as quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, mais qui vient d'une relation. C'est pas juste que j'ai lu la Bible, j'ai vu que, ah, OK, Sarah était stérile et puis Dieu lui a donné un enfant. C'est pas juste ça, c'est vraiment quelque chose qui vient du fait que parce que Dieu m'a parlé de la même manière qu'il a parlé à Abraham, parce qu'il me l'a dit, à coup sûr, je peux m'accrocher sur cette parole-là. C'est pas juste une bonne parole, c'est Dieu qui l'a dit. Mais comment je fais pour que Dieu me dise des paroles spécifiques qui me concernent, que je prenne ces paroles-là pour moi, que je ne prends pas juste tout ce qu'on dit pour amener dans ma vie. Comment je fais? Il faut que je bâtisse cette relation. Yes. Et cette relation-là, il faut que je dise, en fait, Seigneur,
je veux que tu deviennes mon délice. Parce que c'est ta parole, qui, c'est ce que Dieu dit qui arrive. Ce n'est pas juste ce que j'estime être bien qui arrive. C'est vraiment ce que Dieu dit. Et cette parole-là, parce que tu me l'auras dit, elle va arriver. Et alors que je vais bâtir ma foi sur cette promesse, mm-hmm. à coup sûr, je saurai que ça va arriver. En Amen. Fait. Tout à fait. Et pour compléter, c'est qu'on en revient au fait que c'est indispensable d'avoir une relation avec Dieu. On ne peut pas juste soupirer après les promesses de Dieu. Je veux tes promesses, mais sans toi. C'est comme, dépose-moi tes cadeaux à la porte, mais je ne te fais pas rentrer. Je ne passerai pas un moment avec toi. Je ne veux pas savoir ce que tu penses. Je ne veux pas savoir, je veux rien savoir. Juste laisse-moi mes cadeaux. Laisse-moi mon Dieu. Et en fait, du coup, ça, on peut connaître les promesses de Dieu, mais puisqu'on ne connaît pas Dieu lui-même qui donne les promesses, on ne voit pas les promesses s'accomplir parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas là à entendre Dieu. Ok, Seigneur, dis-moi comment est-ce que cette promesse peut se manifester. Dis-moi où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me positionner. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie auquel je dois renoncer aussi? On ne le sait pas, on ne connaît pas le comment parce qu'on ne connaît pas Dieu. Donc on peut connaître les promesses de Dieu, comme tu disais Aurélie, mais la manière dont elles vont devenir personnelles pour nous, ça va être en connaissant celui qui a fait la promesse aussi, et avoir cette intimité. Et plus que de désirer la promesse, quand on en parle aujourd'hui, c'est de désirer Dieu d'abord. Ah, oui, et de se dire, est-ce que j'ai juste mis mes regards sur la promesse? Est-ce que même ma prière, dans ma vie de prière, est-ce que je suis en train toujours de demander le mariage, en train de dire, mais moi je veux me marier? C'est ça, depuis quand est-ce que j'ai pas eu juste un moment avec Dieu, un cœur à cœur, où on n'a pas parlé de ce que moi je voulais, de ce que j'attendais, de ce que j'exigeais. Et puis à la fois, quelquefois on est dans la demande, quelquefois on est dans les règlements de compte, mais pourquoi est-ce que moi je ne l'ai pas eu, etc. C'est depuis quand vous n'avez pas eu ce moment juste d'échange dans la présence de Dieu, où on se dit, on est juste ensemble, je ne veux rien de toi, si ce n'est toi, ta présence, Amen. Ta personne. Tout à fait. C'est tellement vrai parce que quand j'écoute parler comme ça, Annabelle, ça me ramène quand j'ai accepté le Seigneur et quand j'avais ce dilemme-là. Toi ou lui? Toi, Seigneur, ou ce garçon? Seigneur, c'est toi. C'est toi. Ce cœur à cœur avec Dieu. Et comment avoir le cœur à cœur avec Dieu? C'est lire sa parole. Comme tu as dit tantôt, Aurélie, on entend toutes sortes de choses. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que Dieu me dit à moi? Et ça, c'est une responsabilité personnelle, de lire sa parole de Dieu. Même si on ne comprend pas tout au complet, je propose à tout le monde d'aller dans les Proverbes. Les Proverbes, c'est un bon livre de commencement. Aller dans les Proverbes, puis tu sais, ça te parle à ton cœur, puis tu vas voir. Et toi, tu chemines, toi, tu grandis, toi, tu matures spirituellement, mais c'est un travail qui est personnel. C'est au-delà de toutes les prédications, toutes les louanges qu'on peut entendre. Bon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cette responsabilité-là. Et ça me fait penser que tantôt, on parlait du fameux verset « Fais de l'Éternel tes délices ». Et on parlait tantôt, et le verset, mais c'est un verset, mais pour moi, c'est un chant, parce qu'on a l'habitude de le chanter. Je pense que je vais chanter en fin de compte. Oui! Et Matthieu, tu m'avais dit, c'est Matthieu. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Fait que celui-là, avec le psaume 37, 4, je vous dis, Aurélie, je vous dis, Annabelle, c'est quelque chose qui m'a porté et ça continue à me porter jusqu'à aujourd'hui. Et les paroles sont simples, mais c'est les paroles, mais je vais les chanter, mais parce que ça se chante en chantant. Fait que... Ça chante, c'est ça. Vas-y, arrête de tourner autour du pot. Fait que c'est ça, ça fait chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Fait que c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Et ça me touchait parce que ça revenait encore avec notre psaume, fais de l'Éternel tes délices. Cherche le royaume de Dieu. Cherche Dieu. Mets-le en premier dans toutes les sphères de ta vie et c'est certain qu'il ne va pas t'abandonner. En fin de compte, garde ta confiance et ton espérance en Dieu.
Moi, si c'est quelque chose que je peux encourager aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, fais-lui confiance dans tes relations. Amen. Fais confiance à Dieu dans les relations qui sont alentour de toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Ouais. Même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas, le fait que tu le mets en premier, il va agir. Amen. Une chose que je veux dire aussi, en plus, qui va peut-être aider les personnes, c'est que quand on décide justement de faire confiance à Dieu, en fonction de ce que Dieu veut nous donner, hein, on parle de promesses de Dieu, il y a un travail qui sera fait à l'intérieur de nous. Vraiment, d'où l'intérêt d'avoir ce partenariat avec Dieu. Mmh. La Bible dit d'élargir l'espace de notre tente. Et la promesse de Dieu est parfois tellement si grande que le contenant actuel ne peut pas tout porter, en fait. Et pour ça, Dieu a besoin d'élargir vraiment cet espace-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va engager un processus de transformation. Or, souvent, on veut la promesse, mais on bloque au niveau de la transformation. Tellement vrai. C'est qu'il y a des choses que Dieu va faire et ça va t'étirer. Ça, et quand on dit étirer, ça veut dire que ce ne sera pas évident, ce ne sera pas forcément ultra facile. Mais le but, en fait, c'est vraiment que l'espace de ta tente pour recevoir cette promesse de Dieu soit grand, en fait. Parce que la promesse de Dieu, elle est grande. Dieu voit beaucoup plus loin que ce que toi et moi, on peut voir aujourd'hui. Donc, j'encourage aussi les gens qui sont dans l'attente des promesses de Dieu aujourd'hui à tout simplement dire, Seigneur, fais ce travail à l'intérieur de moi. Même si ça m'étire, même si ça fait mal, je veux passer par là parce que je sais que quand je passerai par là, alors mon cœur sera plus ouvert pour recevoir. Mes cordages seront en train de se déployer. Amen. Et là, je pourrai recevoir pleinement tout ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, ne fuyez pas ce que le Seigneur est en train de faire avec vous. Même si ça fait mal, même si ça vous challenge, même si ça vous défie, Dieu a un plan. Et alors qu'on accepte de se soumettre à lui comme ça, on va voir ces choses arriver bien plus vite que ce qu'on ne pense vraiment. Nadine, est-ce que tu voulais prier pour les femmes avant qu'on termine? Oui, bien sûr. Je l'ai écrit sur mon papier, fait que je vais vraiment le lire là. C'est la prière, mais je voulais pas sortir du cadre. Fait que ma prière pour chaque jeune femme ou personne qui sont célibataires, c'est choisis Dieu. Ne fais pas de compromis pour essayer d'avoir ta propre grâce, ta propre bénédiction par toi-même. Laisse Dieu se manifester en toi. Et laisse la personne qui sera peut-être ton conjoint ou tout simplement, laisse cette personne-là te retrouver dans la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. Reste là. Reste là. Et ses promesses vont pouvoir s'accomplir dans ta vie. Le fait que tu restes dans la présence de Dieu, le fait que tu restes dans les bras du Père, il te protège et il te garde. Et sa promesse s'accomplira. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nadine. Et juste avant de terminer cette émission, je voulais aussi souligner ce petit point. Alors que tu es dans l'attente d'une promesse et que tu attends que Dieu fasse quelque chose, vraiment garde ton cœur, comme on l'a dit, dans la parole de Dieu. Sache ce que Dieu dit dans sa parole, parce que peut-être que des gens autour de toi vont parler. Ça va être des amis, des autorités spirituelles, des gens que tu estimes comme étant peut-être même plus spirituels que toi. Et du coup, les gens peuvent arriver avec toutes sortes de paroles et tu te dis, bah, c'est ça en fait la réponse à ma promesse. Mais lorsque Dieu répond à la promesse, il y répond en étant fidèle aussi à sa parole, en respectant sa propre parole. Donc par exemple, si tu es célibataire et que tu pries pour rencontrer quelqu'un, mais tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas né de nouveau, mais c'est quelqu'un de gentil, Dieu ne respecterait pas sa parole. Donc cette personne, cette relation, en tout cas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, ce n'est pas la réponse à ta promesse. Et même si on te dit oui, il se donnera au Seigneur dans 10 ans, etc. Non, regarde à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous associer avec des inconvertis, tout simplement, et surtout pas dans le cadre du mariage. Donc respecte ce que dit la parole de Dieu plutôt que d'écouter toutes sortes de voix autour de toi, et ça va te garder, ça t'évitera de prendre de mauvaises décisions. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.